Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samout 87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie sur la carte Origin. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans deux jours, le DLC 5 fera son arrivée tant attendue. Et donc, pour marquer le coup, j'ai décidé de revenir un peu sur les anciens Call of pour vous montrer les glitches que je connais sur les anciennes cartes qui seront remasterisées. Alors là, je vous présente le glitch qui pour moi est le plus facile et le plus simple à réaliser sur la carte Origin. Le spawn est très rapide, il va vous permettre de faire des manches assez élevées très facilement, surtout si vous avez les bâtons. Alors pour faire ce glitch, vous allez tout simplement devoir monter sur le char comme je le fais dans la vidéo. Vous allez vous mettre de dos comme moi et vous allez reculer tout doucement et vous allez placer votre viseur sur le bord du canon tout simplement. Et si vous êtes bien placé, tous les zombies vont venir bugger en dessous de vous. Alors c'est vrai que moi je vous conseille quand même d'avoir les bâtons sur vous, étant donné que vous pouvez en avoir 3. Le plus simple serait d'avoir le glace, l'électrique, alors pas le vent, parce que le vent il y a des risques qu'il vous fasse tomber, mais le feu à la limite, si vous pouvez le faire, faites-le. Alors je ne sais pas, pour la petite histoire, si ce glitch fonctionnera également sur la map remasterisée du DLC 5, mais voilà. Je pense qu'il est important peut-être de montrer certains glitchs qui fonctionnaient à l'époque, car peut-être qu'avec un peu de chance, il y en a peut-être un ou deux qui fonctionneront toujours sur les maps remasterisées. Voilà, tout simplement. Je suis pour ma part très enthousiaste à l'arrivée du DLC 5. Malheureusement, moi je suis sur Xbox One, alors je ne pourrai pas faire de vidéo dessus dans deux jours, car il sort dans deux jours certes, mais sur PS4 seulement, et sur Xbox One on n'a pas de date officielle. Mais dans la logique des choses, il ne devrait sortir que dans un mois malheureusement. Et je ne pourrai vous présenter des vidéos par rapport à ce DLC 5 que dans un mois. Voilà, en attendant, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parlez à Max de la chaîne autour de vous. Partagez, likez les vidéos. Et afin de me faire connaître, que je puisse atteindre la barre des 2000 abonnés avant la fin de l'été. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Big up.